Tu étudies en Suisse et tu veux faire progresser les choses, tant au niveau national qu'international, alors tu es au bon endroit. Nous sommes le FAWSS UNES OUZOU, l'Union des étudiantes et étudiants de Suisse. Mais laisse-moi t'expliquer ce que nous faisons exactement. Nous sommes l'organisation fêtière des organisations étudiantines de toute la Suisse. Notre but est de travailler ensemble afin de protéger tes droits et défendre tes intérêts. Que tu sois à l'université, dans une haute école spécialisée, une haute école pédagogique ou encore une école polytechnique fédérale. Tu as envie de t'engager au sein de l'UNES, mais tu ne sais pas comment le faire. La solution est pourtant toute simple, nos commissions. Tu peux y participer sans connaissance préalable et faire vraiment bouger les choses. La SOLICH est la commission qui s'occupe des relations internationales et de la solidarité. Elle travaille ainsi dans trois domaines principaux. Les relations internationales, la coopération avec l'ESU, l'Union des étudiantes et étudiants d'Europe, et le travail de solidarité. Et oui, tu peux y participer activement. Nous nous engageons pour des possibilités d'études attrayantes à l'étranger, notamment via les programmes de mobilité internationale et européenne. En collaboration avec l'ESU, qui représente le corps étudiantin de plus de 40 pays, nous nous engageons pour les étudiantes et étudiants d'autres pays dont la situation humanitaire est compliquée. Sans connaissance préalable, tu peux t'engager chez nous et par exemple participer à nos groupes de travail, organiser des événements, proposer des idées et bien plus. Tu auras également l'opportunité d'acquérir des précieuses compétences, élargir ton réseau et faire des expériences uniques qui pourront être utiles dans ta carrière future. Engage-toi dès maintenant pour un meilleur avenir dans nos hautes écoles. N'hésite pas à nous contacter par mail à l'adresse suivante info@fawss-unes.ch ou à nous écrire sur nos différents réseaux sociaux. Nous nous réjouissons de te rencontrer.